Bon, j'ai une blague à te raconter aussi. Franchement, j'étais mort de rire, du coup, il faut vraiment que je te la raconte. Hier, je bossais avec un Anglais qui me racontait son voyage en Asie. On parlait des voyages en Asie puisqu'il l'avait fait à moto et du coup, il me racontait un peu comment ça s'était passé et tout. Et il me disait qu'en fait il était passé par plein de villes vraiment un peu reculées dans l'Asie de l'Est, je crois, je sais plus trop quelle région, mais un truc où il n'y avait pas souvent des touristes. Et que du coup il passait souvent dans des villages où les gens, quand ils le voyaient, tu vois, ils étaient complètement, tu vois, ils hallucinaient de voir un blanc aux yeux bleus et ils le touchaient comme ça et ils lui posaient des questions et ils lui touchaient les cheveux et tout. Et il me disait qu'il était, parti avec un ami, un Renoir, tu vois, from UK, de Grande-Bretagne. Ils avaient fait ce voyage tous les deux et que lui, pareil, quand il arrivait dans les villages, les gens, ils étaient là genre, wow, un martien, tu vois, tu sais, ils ont jamais vu de personne de black, tu vois. Et le truc, c'est que quand ils étaient tous autour, ils le touchaient vraiment de partout et tout, et puis ils parlaient en chinois, ou en, ouais, je crois que c'était en chinois, ouais, c'était en chinois. Et le truc, c'est que les chinois, tu sais, notre fameux E, quand tu cherches tes mots, tu fais machin, mais eux, leur mot à eux, c'est nigga, 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 nigga. Et il me racontait que du coup, le Renoir, il savait pas, tu vois, il savait pas que c'était leur mot à eux, et du coup, il était là, what the fuck, tu vois, t'imagines, nigga, nigga, j'étais mort de rire. T'imagines tous ces petits chinois là, genre 10 petits chinois autour du Renoir en train de dire nigga, 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 comme ça. J'étais mort. Bon, c'est mon bus là, je vais conduire une moto aujourd'hui.